Les hommes et femmes, par des regards croisés, vont se confronter, vont se compléter par leur singularité. Ça fait longtemps qu'on pense qu'il faut travailler ensemble avec les hommes. L'équilibre entre les hommes et les femmes, ce n'est pas une question de femmes. Un projet en mixité, tous ensemble, à construire et à partager dans les entreprises. Un tandem est né et un logo est né, avec un M et un W en miroir. Les hommes et les femmes vont se compléter et se confronter par leur singularité. Ah, je vois que c'est l'heure. Eh bien, bienvenue à tous. Vous allez être dispatché par un petit groupe de 6-7 et vous aurez un animateur qui va donc faciliter votre travail. Que vous allez répondre à 3 questions. Vous aurez à peu près 15 à 20 minutes par question. Vous allez rester toujours ensemble. Bienvenue sur cette table. Le thème ici, c'est voir la mixité sous le prisme de l'équilibre vie pro-vie perso. Et il nous pipotait sur des trucs complètement faux plutôt que de dire « C'est quoi le problème de dire ? Je vais chercher mes enfants à l'école, ma femme n'est pas là cette semaine. » Donc voilà, on a encore quelques belles missions en perspective. Je vais changer de table, mais vous allez rester là où vous êtes. Pour pouvoir entraîner des équipes, tirer tout le monde vers le haut, c'est certain qu'il y a besoin d'être énergisant, d'être séducteur dans un sens pour entraîner tout le monde, pour créer corps. Peut-être qu'on a peur de ne pas être bien accueilli, de ne pas être pertinent, d'être remis en cause, que sais-je. Je ne peux pas partir loin parce que je dois m'occuper des enfants. Ça me plairait bien. Les femmes me disent, moi je peux partir n'importe où et mon mec gérera après. Voilà. J'aimerais bien que ce soit comme ça. Mais j'ai beaucoup apprécié les interventions des différents hommes qui étaient présents. Ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, mais... Nous, les femmes, il y a aussi ce changement à faire, de changer nos croyances, de leur laisser la place, de leur laisser développer cette part de féminin, en fait. Moi, je trouve très intéressant qu'on ait des questions qui nous poussent un peu dans nos retranchements. Et qu'en fait, c'est ensemble qu'on va faire bouger les choses. Et je pense qu'on a un pouvoir d'action qui n'y part pas. Alors écoute, déjà, moi, j'ai trouvé le modèle innovant dans l'approche. Modèle avec 50 personnes, vraiment sympa, bien cadencé. Merci à tous pour votre contribution et diversité ce soir. On vous a parlé de notre mode de fonctionnement comme un incubateur de mixité et nous poursuivons l'aventure le 1er juillet en présentiel avec des travaux de groupe et à partir de ce qui a été co-construit ce soir. Oh oui. À très bientôt. Avec grand plaisir.